Avez-vous déjà perdu quelqu'un à cause du diabète? Avez-vous déjà perdu votre conjointe parce que vous êtes devenu impuissant? Ou bien tout simplement, un membre de votre famille a perdu de la vie à cause de cette maladie qu'on appelle le diabète. Je sais que pour beaucoup de personnes, on vous a dit que ce n'est pas possible de pouvoir guérir du diabète de type 2, mais aujourd'hui, je vais vous dire que les recherches montrent que le diabète de type 2 est dû à une résistance à l'insuline. Cette résistance est due beaucoup plus à l'alimentation que nous avons. Donc, lorsque vous comprenez la physiopathologie du diabète, vous comprenez que si vous changez votre alimentation, il sera possible de pouvoir améliorer votre santé. C'est justement pour ça que j'ai écrit ce livre qui est intitulé Comment guérir naturellement le diabète de type 2. Dans ce livre, j'ai pris la peine de pouvoir vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur le diabète de type 2, sur le jeûne et sur le régime pauvre en sucre. Et je vous assure que si vous mettez ces conseils en pratique, alors vous allez voir votre état de santé améliorer. Oui, c'est possible lorsque vous avez le diabète de type 2, lorsque vous êtes très diabétique, lorsque vous êtes obèse, de pouvoir retrouver votre ligne normale si vous savez quoi manger ou bien si vous savez quoi faire. Le problème des gens, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Et ce pays est merveilleux parce que dans ce pays, il y a accès à toutes les recherches et on ne voudrait pas qu'on puisse être au courant de ça parce que ça ne va pas aider les industries pharmaceutiques ou bien les industries agroalimentaires qui veulent juste vendre leurs produits au détriment de votre santé. Donc, c'est à vous de pouvoir prendre santé à main. Si ce livre n'est pas utile pour vous, alors forcément, il sera utile pour un membre de votre famille parce que je suis sûre que dans votre famille, vous avez quelqu'un qui souffre du diabète, vous avez quelqu'un qui souffre d'obésité, vous avez quelqu'un qui est prédiabétique. Moi, par exemple, ma grand-mère était diabétique. J'ai perdu mon beau-père qui a eu une gangrène et dont on a amputé le pied. Et j'ai un cousin qui récemment a failli mourir à cause de cette maladie. Il y a plusieurs hommes qui deviennent impuissants à cause des complications de cette maladie. Donc je vous en prie, ne gardez pas cette information pour vous. Partagez cette information, partagez cette vidéo pour que les gens puissent comprendre que c'est possible grâce à l'alimentation, grâce au jeûne, de pouvoir avoir une sensibilité à l'insuline parce que la metformine qu'on va vous prescrire joue juste un rôle de pouvoir permettre cette sensibilité à l'insuline. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous prie de pouvoir partager cette vidéo pour pouvoir édifier d'autres personnes. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau sujet santé. Bye.